Comme la coutume, nous avons partagé l'actualité dans la République démocratique du Congo. Nous avons la République démocratique du Congo et nous avons la question de la gestion de la République publique. Et nous avons la situation de la cannabis et nous avons la demande de la PSABIS et nous informer parce que nous avons information la source pour nous ramener bino côté à la place publique pour que les Congolais soient ici dans la diaspora et partout où nous avons la Congo Live Télévision. Confiance au beaucoup pesa kabiso mokolona mokolo bozali ebele ba milier ya kolanda kabiso à chaque numéro na banza yete confiance wana yango biso peto kozungisela bino yango na kosala mosala o ya qualité mosala oyo ko permettre bino bozo ba information ya malamu na banza yete lelo oyo to kotala dossier ya mona mboka Chérubin Okende le feu député et national ya République démocratique du Congo porte-parole et ensemble pour la République o ya tika kikoti kabiso na ba circonstance moko oyo tilelo oyo tokoluka kaka koyeba likambo wana ezali boni boni ekotambola epai wapi ndeko na biso ya cour ya cassation alobi ete azali deja na moko azali ko auditionner pe azali ko continuer ba enquête na ye la police scientifique aussi ba ekotela biso quelques preuves oyo bazali na yango pamba te babi ete munduki we bomi Chérubin Okende ezalaki ya garde na ye soki ezalaki ya garde na ye nani ya bomi Chérubin Okende na banza yete lelo tokoyeba ba vérité tokoyeba contenu ya assassinat ya Chérubin Okende na numéro na biso ya lelo parce que ezali question e ko préoccuper ba congolais nyonso. Le président rwandais Paul Kagame abimi na point de presse alobi ete ko attaquer ba ADF na ba FDLR na sol congolais. Est-ce que guerre ou ezali déjà déclaré? Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, réplique na ezali nini la banza été na émission à l'élo tokoé banyo soana et puis total boni boni état de siège. Est-ce que état de siège est allé réussite ou est allé échec na République démocratique du Congo? Et c'est moi qui ai mon amboka le maître Bandou azali pe na kati ya union sacrée et bongo elongo na ye toko partager ba sujet ou te énoncer na émission na biso l'élo parce que ndenge tolobaka toujours été na Congo Live Télévision, il y a la vérité, la vérité où ils ont vraiment puisé na source et bongo na source wana toko ye ba situation sur ko leka na kati République démocratique du Congo. Mon amboka mbote na yo. Bonjour à vous, les journalistes. Merci pour l'invitation. Je suis venu à la maison de la Congolais. Je suis venu à la maison de la Bango. Je suis venu à la maison de la Nyonso. Je suis venu adhérer à la Fondation Platini Bandou. Je suis venu à adhérer à la Bengi Sibino. Je suis venu à Kalimo numéro 1, à Mongafula, à quartier Moussangu. Je suis venu à la coordonnateur de la Fondation Platini Bandou à Zaliwana, à Koyambabino. Je suis venu à Mongafula Nyonso. Je suis venu à un problème. Souci moko na quartier na bino ma ezate courir ezate difficultés ali le kana siège wana otika des étatsa pe tokolobela yango na autorité mboka na banza yete lelo yo situation e koleka na kati République démocratique du Congo e ko inquiété ba congolais belé bino oyo bozali ba leader d'opinion bozali la voix des sans voix e aux populations congolaises ko tinda ka bino pour que bosala mosala en faveur na bango e bino ba politique lelo yo situation e koleka na kati République démocratique du Congo e kolengisa mwa moke to kota la boni boni lelo yo na kotuna yo d'abord question e liboso avant to kota na ba thématique na biso. Attends que moi na mboka, attends que moi na ya union sacrée, santé politique République démocratique du Congo et kozala nengeni. Bon, les journalistes, santé politique à Congo ezali malamu vraiment parce que mboka na biso tozali na 90% mboka fait na kasa paix. 90% na paix, c'est vrai 10% na difficulté, moko o mokonza mboka kuta ki yango. Dans le sens où il a commis, à côté que non parti nous sommes beaucoup qui gérer pour pas à Bayembo côté des difficultés qui n'aient à départ yangoana. Mais sur le plan politique, l'Union sacrée se porte à merveille et puis nous sommes prêts pour Nama 2023. Je crois que peuple congolais est moka okena urne pour la copona ba cambinaye ou ba kozoyena en charge à partir ya 2024 timonté.
Nabanz a été lelo oyo toko kota d'abord na question ezali na actualité parce que lelo oyo toko tala nengo enosé maponami déjà le 20 décembre 2023 awa eko sala un peu moins eko to ndenge to lobaka na lopoto ezali question lelo eko renforcer toi lelo na kati ya ba réseaux sociaux et pa ywapi toko mona été projet et proposition de loi ezala ki proposé pa ya G13 pona o etali maponami lolenge kani ba député ba boyaki ba point mususu est-ce qu'ils ala ki pona ko préparer ba kou ba ko sala lelo to ko mona été lelo yo politique et république démocratique du Congo comme politique ya ba famille biologique et ko interpeller oni merci vous savez le jeu démocratique est ligné que loi et les cana parlement kaka ceux que une majorité. C'est vrai, minorité cause en est singoté, mais du moins ce sont des jeux démocratiques. Deuxièmement, le député, bazaka élu pour nous servir nation. Mais tu constates qu'il y a une chose que nous, député belé bazaki élu, on est servir nation, bazo c'est servir sur la nation. Et dans les locaux tous aïe qu'on déplorait jusqu'à aujourd'hui. Bah loi wana normalement bah tant qu'on réclame on m'accuse bah tout bazaka c'est un parti politique, place c'est bah tout on a bazali, place c'est bah député on a bazali. Je vois mal dans un parti politique, un président d'un parti politique, quand on se présente à l'élection, il y a mon candidat, moi, Anaïe Supplien Liboso, moi, Sine Supplien Mibale. Alors, Batou Bazo travaille, Naïe, Batou Bazo dans la partie où on a mon tombeau, Maïe, la Koko Tchè Supplien Azate. Et l'eau où on est bandit les lotés, et bandit moi, Kala. C'est vrai, à la maison, les gens vont se dire, est-ce qu'ils ont violation à la loi? Non, ils ont violation à mes deux côtés. Mais sur le plan de la morale, sur le plan où il y a bon sens, ça ne tient pas. On ne peut pas concevoir que dans un parti politique, il n'y a que les membres de ta famille qui sont intelligents. Ou les membres de ta famille qui sont aptes pour travailler. Il n'y a pas que ça. Même ceux qui sont totalement suppléants, tu es totalement même dans ma recommandation. Aujourd'hui, peut-être pour avoir un poste ou pour être nommé quelque part, il faut recommander. Mais tu vas recommander à Banane, Noko, Moana, cousin, cousine, même chérie s'il faut. Voilà nous tout le monde les autres est-ce que les lots où yoto kota la lolenge kani les lots na katia scène politique et république démocratique du Congo ba ko dénoncer moi na mboka Delice Sanga na premier suppléant na yo ezali ndeko na ye a mwasi et ko interpeller oni bon j'ai toujours dit aux gens que il est temps que nous puissions changer cette classe politique. C'est vrai, ce sont des gens qui ont travaillé pour le pays. Et j'aimerais qu'il y ait une loi, que Moutoumou a salué deux mandats et sous qui. Le chef de l'État, il est élu, c'est renouvelable une fois. Mais pourquoi la députation va tirer le coin à terre? Comment Moutoumou a appuyé la députation 10 fois? Aïe, mal, bossou, y'a mis balé, y'a mis ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je trouve qu'il y a un problème. Mandat politique et commis carrière. Donc, pour l'aïe, commis. Parler comme le Rwanda pour naïe. Non, il faut qu'on cesse avec ce système-là. Il faut qu'il y ait une loi. Nous avons deux mandats à Sukiwana. Trois mandats à la limite à Sukiwana. Mais tu peux âge, mais on peut âge, boyo, Sukiwana ou Kokende Soussouté. Et ça sera une bonne chose pour renouveler la classe politique. On fait ça avec la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, on a un mandat 9 ans, mais chaque 3 ans, on va renouveler, on va rajeunir la Cour constitutionnelle. Mais dans le Parlement, il y a des gens qui font des tours. Et tellement qu'Assali va tout rébeller, il constate, il s'est dit que non, ici, c'est chez moi. Avec le système électoral que nous avons dans notre pays, qui n'est pas encore efficace par rapport à ma pays, Moussoussou, je vois qu'il va revenir encore, il va revenir encore, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'il faut déplorer. Les lois, tu peux pas ça, parce que les lois interpellent les Congolais, Bazali n'a pouvoir en place, Bino Bozali n'a pouvoir en place. Beaucoup indexé les lots de Lycée Sanga. Beaucoup indexé Bandeko Moussoussou. N'a pas tant même Colette Tchomba. N'a pas tant même Kester AG Matembo Yaseni. Et pas Ywapi. Les lots, scène politique et comme il y a la scène, il y a la famille biologique politique à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un avenir, les lots, dans le cadre de la cannabiso? Effectivement, avenir est Zali. Et moi, c'est que, vous savez, il y a toujours un problème au niveau de texte de loi. Lorsqu'il n'y a pas un texte de loi qui interdit cela, mais on ne peut pas leur obliger de manière efficace. Mais sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique, ce n'est pas bon. Mais si on mettait en place un texte de loi interdisant ce genre de comportement, les choses seraient un peu équilibrées. Imagine un peu Moutoumou à proposer la présidence, députation nationale, députation provinciale, Sénat.
Mais non, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, la politique, c'est devenu quoi? Carrière, ça veut quoi? Carrière ou quoi? Mais est-ce que les gens ont l'habitude de te parce que les gens ont comme on a été politique et République démocratique du Congo, comment on ça là? Moto a comme ça la carrière politique. C'est ce qui est déplorable. Parce que non, non, sous d'autres cieux, il va tout faire pour rester là. Tu vois, Mme Soussoubazo, cette transhumance politique où Moutazaki n'a FCC a traversé la Union Sacrée. Il y a un Azaki na FCC à l'époque, à l'Obillé, à Yepa, à Katissi, à l'Union Sacrée, parce que le chef de l'État, Kendaki, na province, a eu la mine à Lumumba, à Congo, il y a traversé à Komano. Donc, même pas idéologie, même pas quoi que ce soit, il était na FCC, à traverser, quand passé le chef de l'État, il y a eu la mine à Lumumba, à province, il y a eu la Kinshasa. C'est quand même. La Congolais FTV, télévision y a eu la Bosolo, rien que Bosolo. Tant que vous informez les Congolais, les Congolais vont se questionner et pas y avoir puis la Bosolo, ils vont retourner dans la ligne de Konani. Donc bon, et le cas de la TV, il y a une décommande, de Mtalobaki, à l'objet non ACP, dans mon condi. Je suis le président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, je suis le président de Tshilombo, je suis le président de Tshilombo, je suis le deuxième mandat. Il avait dit deux choses et puis il a traversé de l'autre côté. Donc il n'a même pas demandé le projet politique, l'idéologie, tout ça. Non, il n'est pas passé par là directement. Pouf! Tu as dit que Maître Platini Bandou, ou Sali Bongo Nakata Union Sacrée, quelle est la vision politique à Union Sacrée? Union Sacrée, d'abord, est une plateforme politique, plateforme électorale. La mission à plateforme électorale, c'est d'abord gagner les élections. Donc, présentement, comme vision de l'Union Sacrée, c'est donner au président Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo un second mandat avec une majorité au niveau du Parlement et au niveau des autres institutions de la place pour qu'elle permette à diriger mieux. Parce que, dans le mandat de Liboso, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'au départ, déjà, il s'était FCC cash. Comme c'est ce cas, je vois ma difficulté parce que ma bunda, ma version, on a bien version 1. Version 1, c'est l'union, c'est version 1, c'est 100, c'est 4, ensemble, c'est 4, c'est 8 mois, 2 ans, 3 ans, on a sous-balié, sous 2 ans, 3 ans. Après, on a version 2. Version 2, c'est version 2, on a fait un premier mandat. Donc, on a un deuxième mandat, c'est ça la vision même, tout ça est majorité, tout c'est d'abord deuxième mandat et puis la majorité pour permettre à réaliser. Révoisant bah, pour le développement, il y a un beau cannabis. Il y a un conflit qui est en conflit. Il y a un conflit qui est en conflit. Il y a un conflit qui est en conflit. Il y a un conflit qui est en conflit. Il y a un conflit qui est en conflit. Il y a un conflit qui est en conflit. Il y a un conflit qui est en Bon, je te dirais que l'Union Sacrée est en avenir parce que vous savez, même dans une famille, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus une famille. Donc, pour moi, je crois que vie normale, il y a être humain sur Terre. Et je crois que rapidement, ils vont se ressaisir et puis ils vont trouver une solution parce que Bazan a une fois présidium, il y a l'Union Sacrée. Et nous sommes là, toujours à la Bango Liboso. Ils doivent prendre leurs responsabilités en main pour nous faire avancer et nous donner. Réellement, le second mandat au chef de l'État et puis la majorité au chef de l'État. Les disputes internes, c'est vrai, c'est normal dans une famille, mais nous n'en voulons pas. Voilà, les lots tokota la toko kende bongo et payoua puis ba congolais ba ko s'inquiéter na assassinat ya mon amboka chéribé au kende. Ba version des faits ali ebélé, mais les lots assassinat ya chéribé au kende et ko interpellé Maître Platini Bandounini. Bon, vous savez. Le vieux Chérubin Okende, c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Vous savez, dans un pays comme la RDC, c'est pas facile d'être un peu intelligent. Hein. C'est pas facile. Mais quand quelqu'un arrive quand même à être intelligent, il faut le féliciter. Et c'est un père de famille. Ce n'est pas bon qu'un député national, un ministre, un ancien ministre soit tué dans ces conditions-là. C'est quelque chose que nous déplorons, que nous ne voulons pas que ça puisse se répéter encore. Et nous demandons aussi à ce que enquête na salama de manière vraiment ordonnée pour que auteur il y a crime wana bas ala vraiment arrêté mais il y a quand même des part et d'autre ce qu'il pouvait dire l'opposition accuse la majorité, la majorité accuse l'opposition ainsi de suite. Mais si je peux réfléchir comme étant un juriste, je crois que il faut d'abord chercher à déterminer est-ce que
il était réellement à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, ma voiture peut être devant la Cour constitutionnelle, mais moi, je ne suis pas dedans. Est-ce qu'il était réellement à la Cour constitutionnelle? Les tweets, il y a un des journalistes qui déjà que non, Ndeko Chériba a été enlevé. C'était à quelle heure? Il est arrivé à la Cour constitutionnelle. Il est arrivé à la Cour constitutionnelle à quelle heure? Non, on sait tous que non, on avait cité Peter Tsiani, on a cité d'autres journalistes, c'est que je ne maîtrise pas le nom, mais du moins avec Peter Tsiani, tout le monde sait, il a même publié un audio où ils en avaient parlé sur ce tambour-là. Alors, Azo expliquer version des faits. Azo expliquer version des faits. Il y a chauffeur, il y a chéribé. Ma situation sur les cas. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il doit avoir un peu de retenue parce qu'il ne maîtrise pas tout. Donc, voyez un peu. Et donc, l'heure déjà publiée à qui? Et puis, deuxièmement, l'heure où arrive avec Nako Conchonel. Je ne crois pas que c'était une urgence. Vous êtes venu chercher un document, vous venez à 16h, on publie déjà à 15h. Il y a quand même de l'incohérence. Est-ce qu'il y a un complot qui est déjà organisé dans le rassemblement pour la République? Bon, complot ou pas complot, je ne sais pas parce que c'est un dossier qui est en instruction. Mais moi, je crois que tout à la calme. Parce que j'ai suivi l'autre fois le secrétaire général et ensemble, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Il est en train de traiter la justice congolaise d'amateur, c'est l'amateurisme dans la gestion du dossier. Il faut savoir une chose que Ndeko Chériba, c'est l'Iwana Yeza à la fois judiciaire et politique. À chaque fois qu'un dossier est judiciaire et politique, la gestion de ce dossier se diffère avec d'autres morts que nous connaissons. Les lots, ceux qui ne sont pas voisins, ils sont X, Y, Kakoufi, ils sont tous les morts, ils sont tous les. Mais ce que ça, une personne connue a deux fois la gestion de ce dossier, et suivi toujours avec un message à la population pour maîtriser la clameur publique. Parce que clameur publique, lorsqu'ils ne sont pas informés, ils peuvent se réunir et puis créer le trouble dans la société. Alors, des fois, le procureur général après la Cour de cassation, il est dans l'obligation non seulement d'informer le monde judiciaire, mais aussi le monde politique et la population sur l'évolution de l'étape. Je voulais même rectifier par rapport à ce que vous avez dit. Le procureur n'a pas dit que l'arme qui avait tué. Il a dit que la balle qui a été trouvée dans le corps de Chériba provenait de l'arme de son garde-corps. Mais il n'a pas dit que Chériba est décédé avec les tirs. Ceux qui sont au côté de la bongo, ceux qui sont au côté de la bongo, parce que tu as une version de fait, ceux qui sont au côté de la balle, Oyo et Boumaki, moi, je suis au Chériba, au Kende, Outi, dans mon Noki, il y a garde du corps, Naye, les Oyo. Garde du corps d'armes à Boko, il y a procureur près la cour, il y a cassation. Lelo, est-ce que garde du corps n'a pas l'auteur, il y a crime, il y a Chériba Okende? J'ai rectifié encore pour la deuxième fois. Allez-y. La balle qui a été trouvée dans le corps de Chériba provenait de l'arme de son garde du corps. On n'a pas dit. Garde du corps n'a pas qui wapi pour Katika Mondoki. Na Moutouka. Parce que Mamouni a mon Katia Moutouka. Mamouni a mon véhicule, la voiture, il y a Chériba Okende. Déjà, là-dessus, il y a une différence entre on retrouve une balle dans votre corps, mais on n'a pas dit que c'est la balle qui vous avait tué. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, le monsieur lui-même a dit que lorsqu'il a quitté la cour constitutionnelle, a tiré un mot de gnara sa motouka, entre guillemets. Ce sont ces versions, parce qu'on en a plusieurs dans les réseaux sociaux. A tiré un mot de gnara sa motouka. Est-ce que c'est vraiment normal de laisser la voiture, l'arme. Parce qu'on a dit que Souda Tambo n'a pas de Souda Tambo n'a Sima. Il n'a toujours pas de. Comment il y a un tic à Mundouki? Et puis, l'heure a tiré Mundouki. Est-ce que le Chériba Azaki n'a pas de Mundouki? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser, mais laissons la justice faire son travail. Et les gens qui disent que nous, c'est un assassinat politique. Assassinat politique se caractérise par rapport aux arguments, par rapport à la position prise par la personne décédée à un mois ou dans un temps voisin environnant par rapport à sa mort. Mais discours politique, il y a Ndeko Chériba, un mois avant sa mort, n'était pas contre le pouvoir. Et puis Ndeko Chériba n'était pas un obstacle au pouvoir. Ndeko Chériba avait des relations normales au beau fixe avec d'autres personnes qui sont de la majorité. Mais pourquoi aujourd'hui on va dire que c'est un assassinat politique? C'est quoi maintenant un assassinat politique? Non, parce que les lois ne sont pas ensemble, ils ont collé message à chef de l'État, Mujima, Ina, Liwa, à Chériba, au Kende. Non, on a un rapprochement frauduleux parce que ça ne cadre pas. Parce que Ndeko Chériba, il n'a pas tenu un discours à l'encontre des intérêts de la population, parce que le chef de l'État, il est le garant de la nation, garant de l'unité nationale.
Et Jeriban Okene n'a pas nagé à contre-courant par rapport à cette unité-là. Et dans ce même message, il y a contrôle parlementaire à celle-là qui n'a Boukanga Londo. Contrôle parlementaire à Boukanga Londo, ils n'étaient pas le seul, ils étaient au nombre de 3 ou 4. Il y avait lui, Kalonji, Ados Ndombasi et Jeriban Okene. C'était dans le cadre d'un contrôle parlementaire. Donc, à part les arguments qu'il avait avancés par rapport à ça, il n'y a pas d'autres arguments qu'il avait dit qui pouvaient faire fâcher la majorité ou l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos assassinats politiques, c'est vraiment inconcevable. C'est vraiment inconcevable parce que tout le monde a une situation que tout le monde peut comprendre. Après marche, il y a opposition où ils allaient qui le vantent. Mundoki et Bamindouki et Bimi. Moi, je suis Salomon Escadé, la Bakangi est en prison. Après, tout le version, il y a opposant, ma tata pour nous l'oublier. Mounouki, mon ami, il y a la Mounouki à garde, il y a perdu qui est pendant sitting, il y a la CENI. Après quelques jours, il y a marche opposition. Les autres qui revenir dans le même fait. Garde à Cherubo, qui est bien, il y a des gens qui sont en Moutouka. Mounouki, il y a des procureurs qui sont en Baba, les gens qui sont en Moutouka, Boumi, Cherubo, Okende. Est-ce qu'ils ont fait pour les aller dans la situation? Bon, le cas de Bosnan, le bac, garde du corps, on a au hasard à Cherubin, il faut que les gardes du corps, les bossus, à Samba Kapoutou. Après, on a garde du corps à Samba Kapoutou, on a garde du corps, il y a Pierre Numbi. Après, on a garde du corps à Pierre Numbi, maintenant, on a garde du corps, il y a Okende. Donc, en d'autres termes, la garde du corps, moi, je suis là-bas, patron, moi, Ming. Donc, il faut quand même que la justice puisse on peut poser des questions par rapport à cela. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, par rapport à Mindou qui est au lobby, port d'armes, si tu as une autorisation, c'est bon. Mais lorsque Bungisi Mundou, qu'il faut faire une déclaration, on ne peut pas, au Bungisi Mundou, qui était pour Vainanda, comme tu as Bungisi cravate, comme tu as Bungisi ceinture. Mundou qui est arme moko à feu, donc ça peut donner la mort. Donc, il faut signaler. Je crois que le sénateur Matata Prono avait signalé. S'il n'avait pas signalé, c'est qu'il doit être interpellé aussi. Ndeko Salomon Skadela, il a été arrêté. Toyoka qui va charger aux pesées contre Surye dans la déclaration de Mia Pasalaki. Il n'y avait pas que quelque chose à armes, il y avait aussi plusieurs d'autres charges pour les agos pesées Surye. Et c'est pour cette raison-là qu'il est toujours aux arrêts jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je crois qu'à des fois, il faut faire confiance à la justice. Si la justice est travaillée, et que des malins, mais comment la solution. Bah, rapprochement, on a au Batubazo Salaka, ce n'est pas digne de. Ce n'est pas digne. Je crois que nous sommes dans un pays où il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire. À des fois, il faut laisser le pouvoir judiciaire travailler et attendre les résultats. C'est aussi important parce que demain, comme ils aspirent aussi à devenir, à être au pouvoir, demain, c'est quand eux, ils seront au pouvoir, les gens diront toujours les mêmes choses par rapport à ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Donc, laissons la justice faire son travail et nous aurons les résultats. Et nous aurons les résultats dans l'assassinat de Cherubin Okende, où tout coûte à l'Olengekani Makambouko Poussana Pene Pene. Dans la émission précédente, où tout allait qui n'a pas eu, il y a qui n'a pas eu de la révélation. Garde du corps de Cherubin Okende. Atamboli, tout le monde parcourt, Naye, Samba Kapoutou, John Numbi. Les gens qui le procureur ya près ya cour cassé ya cassation monsieur Firmin mais quand on peut colander la mon amboka Chengerezi coco fait la basse mise à tout quand même comme coco fait ma patron mise à tout c'est que tu es suspect ya mon amboka le procureur lande la mon amboka Chengerezi au azalipé proche ya Paul Kagame. Est-ce que Makambouane est dans la partie STT? Parce que tu as une preuve. Oyo, nous avons un moko azali tout Rwandais. Abimisa qui est dans l'émission précédente. Awa. Nous avons un procureur, et après la cour, la cassation. Tu as coupé ça dans l'élément pour que tu la peine nous, M. Chengerezi, azali général. Nous avons continuer parce que nous aussi à Cherubin Okende ils allaient quoi interpeller bisounio sur congolais parce que bisounio sur liban amboka et c'est lui tout mon a clair dans le dossier mon amboka le député Cherubin Okende n'a pas été l'élo oyo le président rwandais Paul Kagame a sali déclaration l'objet était à quoi attaquer bah ADF n'a pas FDLR na terre et na sol congolais l'élo oyo est-ce que ils allaient déclaration à guerre t'es oyo Paul Kagame au sein de la République démocratique du Congo.
Non, vous savez, moi je crois que M. Paul Kagame a commis la souka. A commis vraiment la souka. Il y a ONU sur toi, Saline, la RDC. Et à Kanisaki, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la pété. Et apparemment, a démontré que non, il a vraiment l'amour de son pays. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste, il a un dernier, il a un maloba souka moutou. Je crois que nous sommes dans ce pays. Et depuis l'opération turquoise de 1994 jusqu'à aujourd'hui, d'aucun jamais FDLR a attaqué Rwanda. Ils avaient l'opportunité de chasser les FDLR à entrer à FDL. Parce que même James Kabarebe Bio Azaki na Congo, le chef d'état-major général, il avait les opportunités de faire ça. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont géré ce pays ensemble pendant 18 ans. Maintenant, on a géré Est, ils ont géré partout et Tikalé. Pendant 18 ans, ils n'ont pas pu chasser. Et aujourd'hui, ils veulent maintenant commencer à chasser. Moi, je crois que la RDC, nous sommes aussi un pays souverain. Lorsque nos frontières sont attaquées, je crois que nos vaillants héros, notre phare d'essai, prendront les choses en main. Et nous avons vu défiler à bas. On les a militaires, bas garde présidentielle. Tout à fait. Seulement. Et vous avez vu aussi à Kitona, bas formation de Salamakuna. Il y a plus de 10 000 personnes basées à Baolo aux informations qu'on a. Est-ce que vous avez une réponse à président Félix Antoine Tshisekedi na homologue na Rwanda Paul Kagame? Non, nous, réponse ou pas, de notre côté, nous sommes en train de nous préparer. Il y a pas, celui qui veut la paix prépare la guerre. Nous sommes en train de nous préparer pour sécuriser nos frontières. Une fois que nous sommes attaqués, je crois que nous allons répliquer, nous allons répondre. Et cette fois-ci, je signale que nous n'avons pas l'embargo. L'embargo a déjà été enlevé, la notification également a été enlevée. Et je crois que cette fois-ci, je crois que nous allons annexer le Rwanda en RDC. Annexer le Rwanda en RDC, mais jusque-là, parce que depuis déclaration, il y a chef d'état-major Christian Tshiwowe, et pas Yoba Paloba qui était phare d'essai longue dans la défensive et commis dans l'offensive. Mais les lots où il y a tout comme on a action à grande envergure, tu es sur terrain, mon Mboka. Vous savez, ce que moi, je suis en train de vivre, c'est que maman n'a rien à faire. Nakota la boye, Rwanda ne peut pas s'élever pour dire quoi que ce soit pour la RDC. Parce que Rwanda, dimension, nous ne comparons même pas. Il y a la ville de Kinshasa. Imaginez la ville de Kinshasa était les Mapuche et s'opposer à la province de Nyosotetikale. C'est que la ville de Kinshasa a un soutien quelque part. C'est que la ville de Kinshasa, il est sûr de le soutien. Et aujourd'hui, moi je crois qu'il faut être prudent. Lorsqu'on est en train d'échanger avec quelqu'un qui se victimise sur le plan international, Rwanda a bâti l'empire naïe sur la victimisation. Génocide. Il a commencé à pleurer sur le génocide il y a pays naïe partout dans le monde. Et il a créé le statut moroboué. Il y a qui victimisation naïe à Ganda Roussa. Et par rapport à ce statut-là, il est bénéficiaire de beaucoup d'avantages. Et il a signé beaucoup de contrats pendant les 18 ans qu'ils ont eu à gérer conjointement. Et aujourd'hui, le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit, niet, on met fin à tout cela, on va travailler gagnant-gagnant ou rien. Gagnant-gagnant ou rien, mais le président Félix Antoine Tshisekedi a lobby était, si Paul Kagame attaque le Rwanda, et attaque plutôt la ville de Goma, Félix va pulvériser Kigali. Mais aussi longtemps, on a dit dans le territoire, Oyo, Bunagana, le reste, et Zalino Namaboko, il y a des rebelles à M23. Plus grave encore, le gouverneur militaire a sengi l'administration, c'est-à-dire DGI, DGDA, DGRAD, et Zonga la Moussala. Mais tout le monde est sous le temps de Makenga, où il y a des porte-parole, il y a M23, à l'objeté, gouvernement congolais et qui provoque Bissot. Vous savez. Le pays est géré par des textes de loi. L'Afrique également est gérée par des textes de loi. L'international, sur le plan international, nous avons aussi des textes de loi qui organisent les relations entre les États. Et au niveau régional, il y a aussi des textes de loi, CAC, SADC, il y a des textes de loi. EAC, ainsi de suite. Lorsque nous avons adhéré à l'EAC, c'est parce qu'on avait trouvé qu'il y avait des éléments nécessaires pour le développement de la RDC à l'intérieur. Mais si l'EAC ne fait pas son travail, je crois que la RDC est dans l'obligation de se retirer et de prendre les choses en main. Présentement, d'après les échanges, il a été convenu que l'EAC devait nous aider à mettre fin à la guerre à l'Est. Oui, et le chef de l'État, récemment, le chef de l'État allait mettre fin à ce contrat-là, mais ils ont sollicité
un prolongement. Et nous regardons maintenant la suite par rapport à ce prolongement-là, par rapport aux ententes. Ayant nos mal en patience, je crois que ce qui est commis à délai fixé et que nous n'avons pas de résultats, le chef de l'État prendra les choses en main. Le chef de l'État prendra les choses en main, mais au côté, alléluia. Est-ce état de siège, réussite ou échec de la République, la partie Est de la République démocratique du Congo? Moi, je dirais que l'état de siège est une réussite. Pas en totalité, mais il a ses avantages et ses désavantages. Je crois qu'au moment opportun, il serait plus mieux de faire l'évaluation. Parce que dans la vie, il faut toujours faire des évaluations. Évaluation en tant qu'être humain aussi, évaluation en tant que société ou entreprise, évaluation en tant que pays, évaluation des décisions prises pour la gestion de X ou quelque chose. C'est toujours important. Je crois qu'il est important d'appeler les fils dignes de ce coin, ensemble avec eux tous, se réunir autour d'une table pour évaluer l'état des sièges et trouver là où il y avait des failles modifiées afin de permettre l'avancement. Présentement, il est difficile d'enlever l'état des sièges là-bas parce que c'est une partie du pays qui est en guerre. Dans l'état des sièges convient par rapport à cette situation-là. J'ai entendu les gens dire que non, oh non, faut changer, que les civils reviennent. Une partie du pays en guerre voulait faire revenir les civils. Par quel mécanisme? Par quelle méthode? Est-ce que il faut quitter l'état des sièges en état de guerre? Non. L'état de guerre est déclaré au niveau national. Mais ce ne sont pas arrivés là. Pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés là? Parce que la guerre est souvent déclarée entre deux États. On ne peut pas déclarer la guerre avec un groupuscule de personnes, avec des terroristes. Mais c'est un état de siège qui est là pour gérer la situation militaire qui se passe au niveau de l'Est du pays. Mais moi, je crois qu'au moment opportun, le chef de l'État prendra une décision appropriée. Mais il faut surtout faire d'abord des évaluations. Aujourd'hui, Bounagande est occupé, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que ça sera occupé éternellement. L'EAC avait sollicité qu'on puisse lui accorder encore un mandat. Et je crois que ça va finir bientôt. Laissons le temps au temps et nous allons trouver des solutions. Bandeko, il n'y a pas peur de Bandeko FCC, Nakolo Bango Claire, Bako accuser les lobbies, nous avons l'Union Sacrée, nous avons la majorité, les lobbies ont le pouvoir en place. Et Bango, le dirigeant, et Mokolo Mokote, parti, il y a République démocratique du Congo, ou bien terre, ou bien une territoire, ou bien localité, Moko et Kenda, tu es là occupé. Mais les loyaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi, Namboka, à la tête du pays, la République démocratique du Congo, Mounaga na parti, Bakichanga, ba territoire, et Kende, Namaboko et Barebel, et Koulobila, Binonini, Binoboy n'a pouvoir remplacer les loyaux. Accusation, Oyo, FCC, Koussala Nabino. Je crois que l'accusation, là, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Justement parce que, vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est vrai, entre guillemets, les gens vont dire que non, bah, c'est là qu'il y a eu passation pacifique du pouvoir, l'alternance dans le pouvoir, mais du moins, l'Est du pays n'était pas sous la gestion de Kinshasa. Et deuxièmement, il faut savoir que dans ce pays, le RC-M23 il avait des députés au niveau du Parlement, avait des ministres au niveau des institutions, avait également des généraux. Parce qu'il y a un grade assez terre, il avait des généraux au niveau de forces armées. Dans ma condition, on pourrait me dire que non, il y a eu passation pacifique et puis le chef de l'État avait récupéré tout le pays dans son ensemble, dans 2 345 000 km². Non. Il faut savoir qu'en 2009, en 2011, en 2013, il y a eu des accords. Il y a brassage, mixage, tous ces éléments-là. Le pays, l'Est du pays a été vendu. Ils avaient accepté les conditions qui ont été avancées au niveau Nabatante Nabango. Je me rappelle encore, le professeur Kalele en avait parlé pour dire que non, le pays était vendu. Et pour ce professeur Kalele est en vie. Il y a même un président africain qui avait dit au ministre des Affaires étrangères de l'époque, quand il était en train de signer, il dit « Ah, vous avez signé, vous avez dit que vous avez signé après signature, vous avez dit que conséquences n'ango. » Donc le pays a été vendu. Ce n'est plus un secret, c'est connu de tout le monde. Yango lelo yo le président ougandais Yoweri Museveni a accusé Joseph Kabila et a pesa ba bine d'or na ba ADF. Même pas ça, le président rwandais lui-même qu'est-ce qu'il avait dit? Il était en train de réclamer des terres au Congo. On a tous entendu. Il réclame quel genre de terres? Par rapport à quel document? Nous connaissons tous la conférence de Berlin qui avait donné des limitations. Je crois qu'ils ont une carte d'Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'ils réclament des terres en RDC? C'est qu'il y a eu des ententes, il y a eu des accords. Parce qu'on dit,
Les hommes passent, les institutions restent. C'est qu'il y a des ententes où on a réclamé quelque chose, ils ont donné quelque chose. Mais aujourd'hui, le chef d'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit « niet, on met fin à ça ». Parce que ce qu'il déplore, ce que le chef d'État déplore aujourd'hui, Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila, avait aussi parlé de ça. Et ils veulent tout prendre gratuitement, du sol au sous-sol. Ils veulent tout prendre gratuitement. Alors, moi, j'ai dit « niet », ça lui avait amené à la mort. Et aujourd'hui, le chef d'État a dit aussi « niet ». Et aujourd'hui, si on lui fait la guerre, c'est parce qu'il a refusé. J'ai suivi récemment la France en train de bander des lingots d'or à la télé pour dire que non, il a la réserve à lingots d'or X montant. Est-ce que la France, là, ils ont des minéraux dans le sol, là, sous-sol là-bas? Ce sont des minéraux récupérés à l'est du pays. Et c'est comme pour cette raison-là qu'ils sont en train de soutenir le M23, ils sont en train de soutenir parce que le chaos leur profite. Et lorsque le chef de l'État refuse cette situation, c'est pour ça qu'on lui fait la guerre. Le chef de l'État subit la guerre, on lui fait la guerre. Et c'est ce qu'il faut maintenant être ensemble avec le chef de l'État pour mettre fin à cela. Parce qu'il est en train de se battre pour nous. Parce qu'il pouvait même se contenter de sa vie. En tant que chef de l'État, il se contente de sa vie, de sa rémunération. Et puis, il laisse les autres comme avait fait son prédécesseur. Mais lui, il a dit non, le pays restera un et indivisible. Il a prêcher l'unité nationale. Et aujourd'hui, il a appelé tout le monde tout autour de lui. Il y a des militaires de côté qui sont en train de se faire former, ainsi de suite, justement pour le pays. Est-ce que il devait être soutenu. Le loi au système Kabili, le loi qui continue dans mon amboka à Félix Atoua, tu sais que tout le monde était bah, classique presque. Il y a dans la FCC, il y a Pesaki, il y a Pesa dans mon amboka, il réussit ça. Mais le loi, il y a dans mon amboka Félix Atoua, tu sais que Chilombo. Pour quelle finalité Nakatia, scène politique à la République démocratique du Congo. C'est ce que j'étais en train de dire au début. Nous n'avons que des chômeurs politiciens. Quelqu'un qui ne fait rien dans la vie, pour lui, son travail, c'est la politique. Son travail, c'est être ministre, c'est être député, être X, Y, Z. Après le poste, il n'a plus rien à faire. Il reste à la maison en culotte, cinglé, en train de suivre la télé. Alors, lorsqu'on lui dit que non, papa, c'est fini ton paiement. Non, hier, au paiement, tiens. Il doit toujours chercher quelque part où il doit faire rentrer l'argent avec toutes les maisons qu'ils ont. Peut-être que nous avons. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, c'est un homme intelligent. Il sait. Il ne peut pas être dupé. Il sait que le bateau baillé, parce que ce sont des chômeurs, ils cherchent du travail. Mais je sais comment rajeunir la classe politique. Je sais comment changer les choses. Il sait. Les gens qui viennent, non par conviction, ils viennent pour chercher du travail. On a vu ça dans la procès 100 jours. On appelle un ancien ministre. Oui, profession. Ou ancien ministre. Oh, ancien ministre de la profession. Oh non, consultant. Consultant où? Où? Tu es consultant dans quelle structure? Oh non, consultant. Consultant. Voilà les ministres que nous avons. J'aimerais bien voir le ministre professeur d'université, les ministres avocats, un ministre économiste international. C'est aussi important. Ils aspirent quand même aux gens de devenir. Même si aujourd'hui nous avons quand même des gens qui sont devenus professeurs d'université en tombant du ciel, bon, quand même, c'est compliqué. C'est compliqué. Ils sont devenus les professeurs d'université tombant du ciel aujourd'hui. Mais vous êtes journaliste, non? Vous avez travaillé aux côtés de celui qui a incarné la justice en République démocratique du Congo. Vous savez, j'ai travaillé à côté du professeur Luzolo Bambilesa depuis beaucoup d'années jusqu'à maintenant. Je suis avec lui. C'est un professeur qui est accepté par tout le monde. Non seulement accepté par tout le monde, c'est quelqu'un d'intègre, d'équité, accepté par tout le monde, majorité opposition. Il a fait la politique, il a fini, mais aujourd'hui, il n'a plus de fonction politique, mais il est avocat. Son cabinet, c'est juste vers en face de Adela Gombe. Il a son cabinet là-bas, comme avocat et comme consultant aussi. Voilà quelqu'un qui a au moins, il a travaillé pour la nation, présentement, il travaille aussi pour ses clients, pour ses intérêts. Mais le reste, et il est aussi professeur d'université en train de former l'autre génération future. Mais le reste, on cherche même à savoir, après le mandat, tu fais quoi dans la vie? On ne sait pas, on attend toujours. Nabanza était maître Platini Bandou, Lilou
tokotala lulenge kani mboka yoko kendele mais na bandi ete lokola yo moko rassurer ki biso ete l'avenir politique ya République démocratique du Congo ezali malamu toko espérer na yango pe. Alors na balandi nyonso ya Congolais télévision bazwaki libaku ya kolanda yo même ceux de la diaspora partout oyo lelo yo Congolais télévision tina présidence e kokotaka et toko zwaka ba message pe na ba suggestion na bandi ete musala toko sala yango pour na intérêt ya peuple congolais puis pour na intérêt ya République démocratique mobimba. Bande kuna suba zwaki libaku ya kolanda yo message na yo ezali nini na ba Congo. Mais c'est le bossu na quoi d'assurer les habitants de Samonga Fola que non aux Isali moi en abino Platini Bandu ou à l'obélix abino butolo quoi moi. Fondation Platini Bandu c'est abino, vous hésitez beaucoup mal sur place, vous déposez pas des hydratants. Mais par rapport à des hydratants, tous ces gens des hydratants moi quoi y a marché matadé qui balle. N'habitez sur votre gouvernement en place et aux Isali sur votre bas coufa, toute voiture moi quoi est déraillée. Et les cas où maman on a besoin de canaliser pour que bah on sait les banques marchent le gouverneur Ngobila pour mettre qui marchait la maman jusqu'à aujourd'hui il y a pas de suite marché on est tombé mal marché matadikiba là après électrification exactement exact promesse belé la mise sous le chef de l'État exactement marché on est deuxièmement route Kindele on a besoin de route carnaval jusqu'à aujourd'hui bambong et bima route Kindele ça a toujours inachevé. Bah ça là qu'à ceux qui 50 mètres, ceux qui 100 mètres, na entrée nationale numéro route nationale numéro 1, sur côté on a bah ni partir on a d'abord ils d'abord zéro bah tiens macadam bah tiens goudron t'es, sur côté comme une terrasse bah tiens ma goudron ou comme une antenne goudron et kati on ne se contente qu'on a timbou du goudron ça la matin zélé bébé tika la carbone bah tiens bah poteau sans minda tout ça là. Nabanza été chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tant que population est kuganga et pas une ayo. Yo capital la gestion à ville province à Kinshasa na banza yete be élément clair yango yo ko attesté moto a spécifique promesse na population na misu na yo chef de l'État mais le loyo marché ya matadi kibale tonga mikarate et souki ka wana te de ko journaliste na landi DG a régi des zones atline alabi que non maintenant ma e komi na 80% ba congolais na bina Kinshasa na munga fula ma ezate. Mais la fondation Patini Bandou se battre pour tout le forage. Tout ça, il y a des études au sol. Maintenant, il y a des factures à budget. C'est trop élevé. Tout ça, c'est une bonne volonté. Parce que imaginez, il y a deux forages pour plus de quatre quartiers. Tout ça, Moussangou, Mikoti, Ngoudiabaka, Sekeseke. Il y a deux forages. Forage, il y a un forage. Il y a un forage. Il y a 25 litres. Il y a 800 francs, 1000 francs. Si on a un ami, il faut se faire un peu, mais c'est terrible. Alors, nous sommes en train de nous battre avec les moyens de bord pour faire ça. Mais on ne peut pas tout faire. Sans compter l'érosion. L'érosion, tout ça, qui a mis ça là récemment, tout le monde qui a plus de 2000 sacs vides, pas ou tout ça, qui a mis ça là. Mais ce n'est pas suffisant. L'érosion à niveau, on a ce qui a sac vide, et qu'on stoppe l'hémorragie, mais que si ça peut être. Il faut que le gouvernement, qu'on l'a, qu'il n'y ait pas de digue. Pour que tu ne m'étais pas. Tu as dit, papa, papa, avant, il y a le pain aussi, comme il y a des cartes. Donc, il va sortir avec un certificat d'enregistrement en main, mais le pongo est rassouté. Donc, voilà les difficultés que Batamou a fait connaître. Dato Senga, le chef de l'État, il est à intervenir parce que c'est très important pour la banque. C'est vrai, fondation, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de moyens et nous sollicitons que leur soutien. Fondation siège des années à venir, Kalimo numéro 1. Na quartier Moussangou, na commune ya Mongafula. Na banzaite, merci beaucoup na ndengo ndima ki invitation à Congolais Télévision et na banzaite porte Congolais Télévision ali grandement ouverte pour nambala ce qui actualité ezali et puis to kosa la invitation ou ya na isika pour que to continue ko sala mosala au peuple tinda biso. C'est avec plaisir que je reviendrai. Mokonza mboka na banzaite to komi na suka émission na biso mais mokonza mboka ngana ko funda. Congolais Télévision le lingkani ekota kati e pai na yo parce que to kozwa message même ya conseiller moko ya présidence o atindi la kibiso suggestion na message na ye ekola ki sa a preuve que Congolais Télévision ko makati e pai na yo mama Denise to zwa ki pe message ya assistante na yo lelo oyo bato o ba ko sala mosala pona tina ya peuple congolais te o sala ki cheval de bataille na yo mokonza mboka le peuple d'abord. Ça au peuple au centre. Gentil Ngobila, gouverneur de la ville-province à Kinshasa, mon compte à Kosuyo, parce que à ça là qui promesse,
tango bandeko bakufaki premier ministre Sama Lukonde ozalaki wana jatiningo bila kosi population ya Monga Fula pe en particulier bandeko na biso ya Matadi Kibala wenzetile lo ezali kaka te na banza yete tokolandela dossier parce qu'il y a des dossiers moko à suivre botika la malam na mabote na bino tukutane mikolo ezali ko. We'll be right back.